Bonjour et bienvenue. Une chose est commune à travers le temps, l'histoire, les pays et les cultures, il s'agit des instruments de musique. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir quelques instruments de musique peu connus mais qui restent incroyables. Le bodhrán, instrument de percussion traditionnellement utilisé dans la musique irlandaise, on trouve cet instrument entre autres en Écosse et dans les pays nordiques. Le mot gaélique bodhar, qui signifie sourd en raison du son qu'il produit. C'est un instrument qui se compose d'un cadre de bois rigidifié par une charpente qui peut être en forme de X ou en forme de T, sur lequel est tendue une membrane de peau de chèvre traditionnellement, de daim, de lévrier ou de nos jours synthétique. La membrane peut, selon les types d'instruments, être accordable via des clés situées dans le cadre de l'instrument. On frappe donc cette peau grâce à un bâton nommé stick ou tipper tenu par le milieu. Le tipper peut être conçu de deux bouts ronds, mais aussi de sortes de lamelles permettant un son différent. Il est possible de modifier le son de l'instrument en jouant avec l'autre main sur l'autre face de la membrane à l'arrière de l'instrument. Cet instrument date d'avant le XVIIe siècle, mais est resté pratiquement inconnu jusqu'en 1950. Lorsque le regain d'intérêt pour la musique irlandaise lui a fait connaître le travail de certains artistes. La vieille à roue. Instrument à cordes frotté par une roue en bois au lieu d'un archet. La roue est actionnée par une manivelle de la main droite du joueur, pendant que l'autre main joue la mélodie sur un clavier. Cet instrument, d'abord simple et rustique, de forme à peu près carrée, traverse les siècles entre instruments de cour et instruments de rue, dans l'oubli ou sur un piédestal. De nos jours, cet instrument est en perpétuelle évolution, il devient électrique et électroacoustique. Cet instrument est utilisé régulièrement dans la musique néo-folk et produit une excellente mélodie que j'apprécie particulièrement. Le koudi, instrument chinois fabriqué en bambou, inventé en 1971 par un maître, d'une petite taille de 4 pouces, composé de deux trous de jeu de part et d'autre du trou d'insufflation. Cet instrument émet des sons aigus, pouvant imiter le cri des oiseaux. La guitare portugaise, instrument de musique à cordes pincées qui descend de la guitare anglaise. Elle s'apparente aux mandolines et à l'instrument principal des joueurs de fado. Elle possède 12 cordes métalliques distribuées deux par deux. Les cordes sont posées sur un chevalet mobile qui transmet les vibrations à la table légèrement convexe de l'instrument. La gaita, une cornemuse portugaise. Instrument à vent, similaire à la cornemuse, mais qui ne possède qu'un seul bourdon, dont il existe plusieurs variantes en Europe et en Amérique latine. Le terme gaita peut s'appliquer à d'autres instruments à vent, mais dans la plupart des langues de la péninsule ibérique, il désigne de façon générale la cornemuse. Elle se présente avec un tuyau mélodique dont la percée est conique à hanche double, percée de 8 trous de jeu, dont un postérieur, et pour finir d'un grand bourdon d'épaule à hanche simple et cylindrique. La lyre de Kravik. L'instrument original a été découvert au XXIe siècle à Numendal, en Norvège, dans une ferme médiévale. Elle ressemble à une petite harpe à 7 cordes. Elle s'utilise principalement en pinçant les cordes individuellement. Le chanteur multi-instrumentiste Einar Selvik du groupe Vardruna est un des pionniers de cet instrument. La talarpa.
connu aussi sous le nom de Talgel Harpa, dont la signification est harpe à poil de queue, est une lyre à archer à quatre cordes du nord de l'Europe. Répandue jadis en Scandinavie, mais jouée principalement de nos jours en Estonie. Le nom vient probablement du tagel ou crin de cheval dont étaient faites les cordes. Voilà pour ce petit tour des instruments. J'en ferai peut-être ultérieurement d'autres, mais j'ai déjà eu du mal à préparer ceux-là, puisque les instruments vieux ont très peu de renseignements. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me donner plus d'informations si vous en avez. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée et à bientôt.